cette voix c'est la bonne, remboursez. Et là, ne me dites pas les gars, tout est incroyable. Bon. Première prise. Le Digital Event de Monster Hunter Ice Sunbreak, la nouvelle mise à jour. Salut Fioren. Bonjour cher chasseur, ça faisait longtemps. Dans l'événement numérique d'aujourd'hui, je vais vous en dire plus sur la grande mise à jour V15. Incroyable. Ah, on retourne à Kamura. Que se passe-t-il? Rassurez-moi dans le chat, tout est ok, j'ai pas besoin de refaire. Ah là là, la mise en scène incroyable. Les mecs, ils se donnent, il n'y a pas de scénario dans le jeu, mais par contre, pour les Digital Events, ça y va, hein. Je peux vous dire que ça y va. Tout est ok, impeccable. Bon bref. La découverte. Ouh. Vous avez vu, j'ai vu également. Quel va être le prochain monstre de cette mise à jour? Oh, je pense que c'est Lamatsu, les gars. Je pense que c'est Lamatsu. Oui, oui, oui. Attention. Ah oh, oui. Oh bah une tornade, c'est sûr. Ah, oh, je le savais. Je vous l'avais dit. Oh, ça a été leaké il y a 6 mois, mais je vous l'avais dit. Amatsu. Ah, la musique, elle est incroyable, par contre. On trêve de blabla, on le savait déjà. Ça va carte. Là, déjà, je vois les potentielles cartes. Oh, il est magnifique, par contre. Pour ceux qui n'ont jamais fait Lamatsu, oh non mais cette attaque incroyable. Pour ceux qui l'ont jamais fait, la musique elle est ouf. C'est un de mes thèmes préférés de tout Monster Hunter. Salut Vibe, salut tout le monde dans le chat. Et donc on a le Shagaru Magala éveillé. Alors je vois pas ça dans les conditions du direct, j'ai littéralement une heure de retard. Donc je me suis spoilé un peu avant, hein. Je vais pas l'étonner pour autant. Je suis par contre étonné qu'on ait eu le Valstrax avant le Shagaru. Investigation spéciale, de nouvelles investigations spéciales ajoutées. Ah, le fameux Lagombi. Oh, attendez, c'est quoi? What? Non. Ils sont sérieux? C'est quoi? C'était quoi ces attaques? Aïe, aïe, aïe. Terminer des quêtes événements pour obtenir des récompenses incroyables. Bon, ça, c'est la base. Nouveau DLC payant. Ça, on s'en fout. This is the life. Oh, il est magnifique. Après, Amatsu de mémoire, hein, c'est pas le genre de monstre, vous savez, qui est vachement... C'est un monstre, c'est une ambiance particulière, c'est pas incroyablement difficile. J'espère qu'ils vont pas artificiellement le rendre abusé, vous voyez ce que je veux dire avec des attaques de ouf. Bon bref, rien de nouveau, disponible le 20 avril, oubliez pas que mon anniversaire est le 22. Par contre, je suis déçu de taper dans cette map, ouais, je suis d'accord. Moi aussi enfin bref, peu importe, c'est pas grave. Mais ça aurait été bien une nouvelle zone. Ça peut sous-entendre que cette zone-là, elle était prévue pour Amatsu déjà dans Rice Vanilla, hein, c'est possible. Ah, il y a plusieurs étages, ok. Donc bref, pas de surprise sur les deux nouveaux monstres rajoutés. Pour nommer la calamité imminente, ce dragon ancien, blablabla, est connu sous le nom d'Amatsu. Lorsqu'il commence à déchaîner son pouvoir, des orages éclatent et la foudre s'abat. Au moins, c'est pas un monstre de feu, les gars. On rencontre qu'il a déjà détruit une ville entière, c'est une véritable... Oh, ils ont fait une faute, divinité. Heureusement, Kamura dispose de la flamme pour se protéger, incroyable. Ils ont la flamme, moi c'est la flemme. Incroyable. Le Shagaru Magala éveillé. Enfin, il est magnifique. En fait, la Narwa c'est un Amatsu de Wish. Ouais, possible. Ouais, ça c'est pas SAED. On l'a vu tout de suite. Il a pas vu les tutos de Migamash sur YouTube. Ça dégoûte. Disponible à partir du RM10. Et le Shagaru Magala apparaîtra au RM 180. Bah, ça veut dire que Shagaru Magala est supérieur à Amatsu en vrai. Ces matériaux, les magnifiques. En plus, ils sont très très bons sur les nouveaux talents des nouveaux équipements. Donc, oh ouais. Incroyable. Contenu de recherche sur l'anomalie. Ah, c'est là que ceux qui n'ont pas dosé vont pleurer. Deux dragons anciens réveillés arrivent en a... Valstrax éveillé. Non, oh, 300. Et vous avez vu? Par contre, il a l'icône du SSJ. Donc au niveau 300, on a les vrais gros Ryzen de ouf, là. Là, c'est le nouveau melding. Oh, c'est tout aussi pourri. Vos talents sont encore plus faciles à part... Hein? What?
J'en avais parlé des talismans curieux, mais j'ai pas fait gaffe en fait. Les chasseurs expérimentés auront accès à un nouveau type de quête, les investigations spéciales. Les investigations spéciales vous opposent à des monstres dotés de divers bonus. Comme une force accrue, des souffles plus larges. Ah ouais. Ah bah ça va être l'éclate. Pour débloquer une investigation spéciale, vous devrez avoir terminé l'investigation anomalie de niveau 300. Bon, c'est bon. Misto, c'est bon, samedi, c'est fait, quoi. Mais attention, ces quêtes ne sont pas pour les âmes sensibles. Le jeu était déjà excessivement dur, je trouve. Là, ça va être très très chaud. Salut, Dodo. Donc, les quêtes events, normal. Donc, de ce que j'ai compris, ce sera pas la dernière mise à jour. Enfin, le jeu, ils vont dans l'abus, en vrai. Hein. C'est toujours plus, quoi. Ne passez pas à côté de ces merveilles créées par les meilleurs forgerons des deux bases. Ah. Voici le corps musclé. Il y en a tellement qui vont mettre ça. Bon, désolé, hein, je lis pas trop le chat. Les oreilles la gombie, un classico. J'ai toujours voulu en avoir une paire. Non mais abusez pas, on s'en fout de ça. Franchement, abusez pas. Vous me dites quand c'est cringe et que je dois couper, les gars. C'est maintenant que c'est cringe, tu peux skip tous ces trucs. Ah, on me glisse dans l'oreillette qu'il faut couper. C'est cringe là? Non, moi je laisse, les gars, si c'est cringe, il faut laisser. Incroyable, les gars, c'est chill, on est bien là, regardez. Le pack BGM, oh, je vais l'acheter. Non, skip de ouf, arrêtez les gars, mais arrêtez de vous donner un genre. Écoutez la musique, les gars, on est bien. Version 15 will add layered armor, hunter voices, face paint, hairstyles, special stickers. Ils veulent vraiment vendre leur truc quand même. Ils ont raison, les gars, on dirait moi avec Oli, la boisson énergisante. Ouais, ils mettent trop l'accent sur le contenu payant. Franchement, les gars, dans le chat, qui achète les stickers, levez la main. Ceux qui ont acheté les stickers, levez la main. Moi, j'en ai pas acheté. Je sais même pas. Les gars, ils mettent des stickers en DLC. On sait même pas. Il faut un bac plus 15 pour pouvoir les custom. Pour les changer in-game, il faut bac plus 15. J'achète tout. Ah, Neuro, il achète tout. Incroyable. Ça va, les gars, on s'en fout. Non, on s'en fout pas. Il faut respecter. Il y a des trucs après ou pas? J'avoue, par contre, ça prend trop de temps par rapport au reste. Vous voyez ce que je veux dire? Après, si ça nous permet de découvrir des choses, sachant qu'il y a le patch note. Après, on va mater le patch note en vrai. Quelqu'un dans le chat peut me filer le patch note? Le lien du patch note, si quelqu'un l'a, s'il vous plaît, en français. Comme ça, on fait un check. Grosse annonce à la fin. Ah, il y a une grosse annonce à la fin. Bon, jeu meuble. Si vous ne connaissez pas, les gars, dans le chat, Oli, la boisson énergisante qui vous permet de ne pas vous endormir quand vous regardez le Digital Event. N'hésitez pas à cliquer sur le lien. Code promo MIGEMASH, 10% sur la remise. Incroyable. La petite pub, c'est demain, ouais. La nouvelle mise à jour, les gars, c'est demain. Bon, ça va, ça s'est bien passé, c'était pas si long. Par contre, c'est abusé, il nous balance ça juste après Nametsu, ouais. Donc la mise à jour sera demain, donc on peut s'attendre à 2h du matin, hein, comme d'hab. Mon colis s'est perdu, ah merde. Tu veux que je les contacte, Rick? Tu me dis, hein, si vous n'arrivez pas à avoir vos colis, les gars, je les contacte, vous inquiétez pas. Je fais service après-vente et tout, moi, je fais tout. Ce soir, ouais. Moi je serai en live demain à 15h30. Monster Hunter Rise is also available. Oubliez pas Monster Hunter Rise Sunbreak, les gars, la semaine prochaine aussi. Le 28 sur PlayStation, Xbox, on sera là. Bah, sous réserve qu'on ait fini le contenu de Sunbreak, mais j'y crois moyen. Enfin, moi, les gars, littéralement, j'avais tellement peur que ça sorte la semaine prochaine. Donc, déjà, vous vous souvenez de ceux qui me disaient que le 21 c'était pas possible, blablabla. Bon, finalement, c'est le 20. Mais j'avoue, je sais pas pourquoi j'ai dit le 21. Alors qu'on sait que c'est le jeudi, quoi. On va regarder le patch note ensuite. Le petit patch note
Il y a eu pas mal de changements a priori sur les armes. L'objectif c'est d'être devant Misto en termes de level anneau, c'est impossible les gars, il va plus vite que nous, puis en plus il travaille pas. Spoiler, c'est faux, il a un boulot. Pourquoi il nous parle de la flamme ? Juin 2023, ah ! Le climax ! Que se passe-t-il ? Oh, un Malzeno. Hold it. Un instant. Il faut farmer là, garçon ! Il a encore la tenue du début ! Ah, il me dégoûte ! Le mec, il arrive, il est RC1. Monster Hunter Ice Sunbreak, le dernier monstre additionnel. Ah ça, ça fait plaisir. Mise à jour bonus. Ah, ce n'est donc pas la dernière mise à jour. Ah, ça, ça fait plaisir. Oh, ça sera un Malzeno. Ah. En juin, incroyable. Variante de monstre. Ah, il n'y a pas de S. Ouais, ça va être un Malzeno, c'est sûr. Ah, d'accord, d'accord. Putain, ça se trouve, la dernière mise à jour, les gars, ils vont mettre en anomalie 999. Ils vont nous tuer. Merci d'avoir suivi cette émission spéciale. Eh oui, incroyable. Bah, GG.